J'ai aucun problème avec la casse. Je dirais, on ne s'offusque pas tous les 15 jours quand on regarde un Grand Prix automobile de voir une voiture qui part dans un mur et qui est détruite et les voitures valent beaucoup plus cher que nos trimarans. Simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de l'automobile, on n'a pas les mêmes intérêts. C'est vrai que certaines personnes ont confondu ça. Et du coup, on ne peut pas se permettre de jouer avec la même. On a, en 60 pieds, on a le budget des disques de frein, des plaquettes et des étriers d'une Formule 1 pour jouer à l'année. C'est à peu près la comparaison. Et du coup, on ne peut pas jouer l'équivalent. On ne peut pas avoir un mulet sur lequel on va faire des essais et tout. On peut pas, on n'aura pas un bateau 15 jours après, un bateau neuf. Donc, il faut jouer avec ça. Et c'est là où, à mon avis, il y a eu un petit peu des écarts. Maintenant que technologiquement, on aille chercher la limite, tout ça, ça ne me choque pas. Je trouve ça très bien. Et c'est pas grave tant qu'il n'y a pas de problème humain, quand il n'y a pas de casse humaine. D'aller, de faire des bateaux de plus en plus limites, de trouver cette limite, d'aller jusqu'à la rupture, de revenir un petit peu en arrière. Tout ça, c'est très bien. Ça fait évoluer l'ensemble. Simplement, ben voilà, c'était peut-être un peu prématuré par rapport aux moyens dont on dispose actuellement. On accroche le machin puis on tire du bateau. Pour faire le toit attaché là. Il y a tout le temps des évolutions, il y a tout le temps, évidemment les bateaux n'ont pas arrêté de progresser, ils progressent tout le temps et simplement il faut avancer par paliers et c'est vrai qu'il y a des courses où on a envie de faire des progrès, où c'est en équipage, où on va être dans des conditions météo maniables, donc là on a vraiment envie de chercher la performance pure. Et puis des courses comme la route du Rhum, où là le facteur machine est un petit peu modéré, où là il faut vraiment être bien avec son bateau, où le pilote, lui, le skipper va vraiment avoir une part plus importante sur le résultat. Et du coup voilà, il faut moyenner un petit peu avec tout ça. Et ce qui est certain, c'est qu'on veut que des belles histoires. On veut que des belles histoires et des routes du Rhum 2002, ben on veut les effacer, on veut les oublier. Voilà, il faut en tirer les leçons et progresser avec ça.